chant. Et moi, Enzo, à la batterie et percussion. Et on est Yarot, c'est un groupe de punk hardcore, metal, post-hardcore. C'est un mélange un peu différents styles et nous existons depuis 2020. Ben, on est des grands passionnés de musique avant tout. Moi et Vincent, ça fait 20 ans qu'on fait de la musique en groupe. Et ce projet-là est né d'une volonté de retrouver la musique, tout simplement, et de faire quelque chose d'assez frontal, une musique assez agressive. Mais pas que, hein, mais c'est vraiment c'est ce qui a fait la naissance de Yarot. Bah, disons qu'on tape un peu dans l'esprit converge, je pense. Il y a pas mal de monde qui nous dit ça. Dillinger Escape Plan. Cette génération-là qui a découvert justement Converge en 2000, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui nous a toujours tenu à cœur et qui nous a suivi. Voilà, des groupes comme Cult of Luna aussi qui nous ont vraiment inspiré, ouvert des possibilités, on va dire, des choses qu'on n'avait pas forcément envisagé de faire avant d'entendre ça. Plein d'influences hormis ce style, tu vois. Moi par exemple, je sais que j'écoute beaucoup de Tool, et après je peux écouter beaucoup d'autres styles musicaux, mais plein de mouvements différents dans le métal aussi, donc ça qui nous unifie. On a plein d'influences en fait. Alors là, Yarots, en fait, c'est on a mis longtemps à trouver un nom de groupe, hein, parce que le projet s'appelait The Sword Eye avant qu'on intègre Enzo dans le line-up. Et on a vraiment galéré, on voulait un truc assez direct, avec juste un mot qui représente vraiment l'état d'esprit du groupe. Et on a réfléchi et on a fait une tournée une fois en Russie avec Generali, avec Fabien. Et du coup on s'est intéressé un petit peu au mot russe. On a trouvé donc le mot rage en fait en russe qui est donc Yarot. Ça vient juste de là en fait. Comme on a tourné là-bas, c'est vrai qu'on a vraiment eu un feeling là-bas avec les gens très brutal en fait, le public là-bas. Donc ça nous a vraiment mis sur le bon rail pour trouver ce nom de groupe-là. Il faut savoir que cet album a été composé en grande partie pendant le Covid. Dans les 2 ans du Covid, donc en fait ça a été beaucoup de sessions courtes mais très intenses. Vincent lui il habite Nantes, moi j'habite près de Dax, donc à 30 minutes de Bayonne, au sud-ouest. Enzo pareil, il est originaire de Saint-Paul-les-Dax, enfin bref. Et on s'est fait vraiment des sessions pré-prod. À chaque fois c'était très très court, intense, et après c'était que du travail à distance. Donc en fait, quand on avait entre deux périodes de Covid, on essayait de se voir là à ce moment-là et on enregistrait, on maquettait, on essayait de faire évoluer le projet au maximum comme cela. Et puis après, on a réussi à trouver une fenêtre pour l'enregistrement d'album qu'on a réalisé avec Cyril Gachet au sud-ouest. Et puis voilà, tout ça assez simplement, hein, c'est il n'y a rien d'extraordinaire dans notre méthode de travail. On s'est adapté aux conditions qui ont été imposées par le Covid. Bah, on a dû trouver des méthodes un peu différentes. C'est vrai qu'on n'était pas forcément à composer donc, par home studio interposé. Et c'est là où du coup on a appris à utiliser des outils dont on n'avait pas forcément l'habitude. Prendre du temps, faire rechercher un son, tout ça, c'est des trucs que tu ne fais pas forcément en répète, tu vois, direct. Et on a vraiment, vraiment posé plein de pistes sur plein de choses. Et on s'est envoyé ça un peu dans tous les sens. Et du coup, c'était plutôt enrichissant, en fait. Ça change de la méthode traditionnelle, ouais. D'accord. Là, ça permet de prendre du recul, en fait. Ouais. Simplement, tu prends beaucoup de recul sur la ZIC, parce que tu prends du temps. Et puis t'as le temps de voir le projet mûrir comme ça à distance. Et en s'enregistrant directement, ça permet de corriger directement des erreurs. Des choses qui peuvent parfois en répétition, tu peux juste passer au travers sans faire attention. Travail purement technique fait de
par chacun d'entre nous chez nous en fait. On a eu travaillé aussi notre technique et qui était liée au morceau, mais aussi pour nous faire progresser tous. Donc il y avait l'aspect musical avec la cohésion, les visios, les échanges, d'enregistrement, tout ça, mais aussi l'aspect technique de ne pas se laisser aller, tu sais, faire des journées juste en attendant l'enregistrement, mais aussi travailler quand même techniquement son instrument, sa voix, se faire une petite routine de travail, tu vois, le Covid, ça a complètement chamboulé tout, mais on a réussi quand même à s'adapter. Le message indirectement, on a toujours eu cette volonté en fait de mettre des choses qui nous pesaient dans la vie de tous les jours et on a essayé de les mettre en musique. On traite des sujets qui peuvent être l'écologie comme des sujets sociaux, le harcèlement qu'on peut suivre à des choses qu'on voit de plus en plus. Bah, c'est pas qu'on en voit de plus en plus, c'est qu'on en parle enfin en fait. Et nous ça nous interpelle et nous on cherche, ça nous indigne, on essaie de le mettre en musique parce que ça nous fait du bien et que c'est ce qu'on cherche à faire avec Yarod. C'est pas pour rien que ça signifie rage, c'est que quelque part il y a une rage en nous et qu'on essaie d'extérioriser et on en profite avec ce groupe pour le faire en musique. Donc les sujets sont assez vastes, mais en même temps sont assez communs parce que c'est un peu des faits divers, de la vie de tous les jours, des choses qui nous interpellent fortement. Puis l'intensité avec laquelle on a écrit les paroles, elle est assez, tu vois, c'est... On retrouve cette intensité-là sur tous les morceaux, quoi. C'est-à-dire que c'est... Il y a plusieurs sujets, par contre on y a mis à chaque fois le même impact, si tu veux. Ouais. Le même impact avec des mots bien choisis, bien pesés. Pesé, très très lourd du coup, mais très incisif. Bah écoute, nous on est hyper, hyper contents, hyper satisfaits. Après on a beaucoup bossé pour ça. On a eu un très bon accueil, du coup, un bon accueil technique. On a ouvert sur la Altar, donc ça nous a permis de nous poser, faire des réglages comme il faut. On a pris le temps de prendre des repères. Et puis voilà, après on a commencé le show, je pense que les gens sont rentrés petit à petit. Bon, à la fin, voilà, c'était quasiment blindé, quoi. Donc ça nous a vraiment galvanisé, quoi, de voir un public aussi qui répondait dès qu'on enlevait le bras en l'air, tu vois. C'est, ouais. C'est quelque chose, malheureusement, on n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir cet échange-là. Et là, c'était le cas tout de suite, après 5 secondes, donc c'est top. Là ce sera pour fin août on joue à Nantes le 28, après on a un festival le 17 septembre ensuite Bilbao en Espagne et puis on a encore quelques dates là j'ai plus les dates en tête mais on est en train de finir de booker des dates pour l'automne et on a surtout une tournée qu'on est en train de préparer pour 2023 avec notre tourneur Dead Pig. Donc voilà c'est on bosse là-dessus. Parce que c'est, nous avant tout c'est ce qu'on cherche, c'est vraiment cette énergie en fait. Que c'est pas le tout de mettre de l'énergie en musique, c'est d'écouter notre truc et d'avoir ce ressenti de tension ou quoi, c'est que nous on en a besoin aussi de l'exprimer en live. Et ça nous fait un bien fou quoi. C'est, quand on monte sur scène, on se transporte par notre musique, on prend vraiment le. Bah c'est. Voilà. C'est du direct, c'est passer le message en direct, l'album indirectement parce que t'es pas là pour voir la réaction des gens. Là on a bien vu les gueules que les gens faisaient dans le public et c'est ça qu'on a envie de voir. Encore plus.